Bonjour, bonsoir mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Moi, de mon côté, il n'y a rien à signaler. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'un aphrodisiaque que je fais de temps en temps quand j'ai envie de passer une bonne nuit. D'accord. Mais avant de commencer, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour sur ma chaîne. Merci, ça me fait un grand bien de vous savoir à mes côtés. J'espère que d'ici là, la famille sera grande. Donc aujourd'hui, pour mon aphrodisiaque que je vais réaliser, ce sera avec du lait, des bobos mentholés, de la noix de muscade, du poivre africain. Je vais vous mettre la vidéo tout à l'heure et du miel, mais c'est facultatif. Bon, ce truc-là, quand vous avez envie de passer vraiment une bonne nuit, vous le faites et vous venez me dire ce que vous avez pensé de ça. C'est quelque chose de vraiment bon et je vous conseillerais d'essayer. Et puis de quand même me dire, si ça n'a pas marché aussi, tu viens me dire, c'est pas grave ma chérie. De toutes les façons, on est ensemble. Donc, on va passer au tuto. Et puis, on se reprend tout à l'heure. Bisous. Voilà le résultat de ma potion magique. Vraiment, ce truc-là, il est tellement bon qu'il n'y a rien à dire dessus. Essayez et venez nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Si tu as une soirée à faire ton mari, c'est là que tu fais ça. On ne fait pas ça tous les jours, sinon ce n'est pas bon. Ça gâte le ken. Donc, vous faites ça à des occasions très spéciales. Vous lui donnez ça à boire vers 16h, 17h comme ça. Comme ça, la nuit, ce n'est pas bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore à toutes les personnes qui s'abonnent. Bisous et à la prochaine vidéo. Bye.